Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Désolé pour le retard. Hein. Vous savez, avec les problèmes familiaux, la vie de famille, on est obligé parfois de. Voilà. Donnez-moi un instant. Mon téléphone se plante. Comme ça, je vais le démarrer. Elle se plante. Parce que le plus important, c'est que si on parle, il faut partager. Il faut que ça circule. Il faut que ça bouge. Il faut pas que. Bien le bonjour à vous. Bonjour Nadine. Les commentaires passent. Bonjour à toi, Josiane. Je vais aussi partager pour que ça puisse bouger. Ne le gardons pas pour nous. Sinon, ça va pas. Bonjour à toi, collègue Wafo. Emilienne, j'espère que vous allez bien. Voilà. On fait un maximum de partage. Pour que ça va plus loin. Je vais faire comme monsieur le maire. Le feu maire. Je vais parler. Je vais parler. J'espère qu'il n'y a pas les gens ici qui me disent que ne parle pas, pardon. Faites aussi comme on faisait pour monsieur le maire, que ne parle pas. On dit à monsieur le maire, ne parle pas. Il dit, je vais parler. Je vais le poursuivre jusqu'à son dernier retranchement. Jusqu'à même dans sa tombe. On dit, mais monsieur le maire, il y a des personnes qui t'ont fait trop mal plus que ce monsieur-là. Il dit, non, non, non. On m'a gardé 7 ans ou 8 ans de prison. Mais ce monsieur-là, il y a un an qui m'a gardé. Ça m'a fait trop mal. Quand quelqu'un a faim, hein. Quand quelqu'un a faim. C'est difficile de parler avec lui. C'est très difficile. Mais je vois que beaucoup de personnes sont en train de confondre encore cela. Voilà, j'ai déjà vu quelqu'un ici qui me dit ne parle pas, pardon. Donc, si je trouve comme ça trois personnes qui disent ne parle pas. Le poursuivre à son dernier retranchement. Non. La famine. Vous savez, quand je vous dis souvent que je comprends bien ceux qui ont faim là, vous prenez ça comme la rigolade. Non, moi je les comprends. On dit, mais tu sais que. Non, il n'y a pas tu sais que. Il n'y a pas tu sais que dans ça. Monsieur le maire est fâché. Il faut qu'il parle. Voilà, vous avez dit, ne parle pas, ne parle pas. Il s'est étouffé avec la parole dans son ventre, ça l'a tué. Non, 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 non. Il ne faut pas mourir avec. Il faut se libérer pour que la mort ne vous emporte pas. Et comme les Camerounais veulent parler, il faut qu'on parle. Mais ce que je voudrais bien ici aujourd'hui. C'est qu'on me parle du nozo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'arrive pas à se distraire entre nous? Vous savez, quand vous êtes à la chasse et qu'à chaque fois vous êtes en train de faire les bruits, au moment que le rat va même sortir pour partir, personne ne sera au courant. Parce que les gens ont passé leur temps à faire le bruit et les chiens ne sont pas attentifs. Josiane. Est-ce qu'il gronde d'habitude? Moi, je gronde pas. Moi, je gronde pas. Je fais partie de ceux qui. Quand les gens disent que je suis un grand combattant, je dis que non, je viens léger comme une plume. Je tente de vous amener par le chemin sur lequel on pourrait réussir. Est-ce que vous avez déjà vu un jour, je vous ai dit que je suis un grand combattant? Quand les gens disent que je suis un grand combattant, je dis non, je viens léger comme une plume. Il vient léger comme une plume. Donc chacun. Et je ne vais pas être long. Vous savez,
Je vous ai tout dit. Ce n'est pas. Parfois, je me retrouve à faire plus d'une heure de direct parce que je regarde pas le temps. Et au fur et à mesure qu'on parle, ça passe, ça continue. Et on s'en rend pas compte. Sinon, moi, j'aime qu'on fait rapide et on laisse la place aux autres. C'est plus facile comme ça. Donnez-moi un instant. Hein. Je vous ai dit, si on ne partage pas le direct, ne pensez pas que ça va aller quelque part. C'est quand on partage que ça dérange. Quand vous partagez un direct, ça dérange. Hein. Et quand vous tombez dans la distraction, comme ce que je vous vois faire sur la toile, ah, les gens se frottent les mains, ils sont contents. Ils disent, si ça pouvait durer encore un peu plus, si ça pouvait durer un peu. Oh, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je sais, beaucoup d'entre vous veulent le changement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va changer. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas du tout compris. Vous pensez que c'est en faisant tout le désordre que vous en avez fait là, que ça va nous amener au changement. Ça ne nous amène pas. Pour ceux qui sont nés au village, quand vous voyez parfois, vous êtes en brousse, en train de creuser le rat. Vous allez tout voir que le chien fait tous ses oreilles comme ça. Quand il y a n'importe quoi, il bouge les oreilles. Parce qu'il veut sentir le bruit. Il veut sentir le bruit. Donc ça veut dire le moindre geste, il est à sortir du trou. Non, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper les bâtons au sol comme ça. Ça veut dire que le chien ne connaît plus le bruit du rat qui sort ou les bâtons que vous tapez au sol. Tout le monde confond tout. Chacun accuse son voisin. Chacun dit comment c'est l'autre qui a fait mal. Mais n'arrive pas à accepter que lui-même il s'est mal comporté. On est qui pour juger les hommes? Personne. Voilà, je voulais juste partager le direct. Pour moi, c'est important. Si vous faites le direct et que vous ne partagez pas, il faut savoir que ça reste qu'entre vous. Vous avez vu, le combat, avant c'était nous contre eux. Avant, c'était nous contre eux. Aujourd'hui, c'était nous contre eux, c'était eux contre nous. Aujourd'hui, c'est nous contre nous. On va y arriver. On va y arriver. Comment? Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que dans l'espoir, c'est qu'on va y arriver. Voilà, le plus important pour moi, c'est qu'on va y arriver. Je n'ai pas mon deuxième téléphone ici avec moi. C'est déchargé. Pour pouvoir mettre la musique. Il faut que je mette quelque chose qui serait plus doux. Vous savez que le villageois aime que ce qu'il aime. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
La famille, bien le bonsoir à vous et bonne fête de travail à ceux qui sont les chômeurs du Cameroun. J'ai reçu le message d'un tonton, après au moins depuis peut-être même 4 ans, le gars n'a pas de travail. Il cherche le work partout, il n'a pas. Mais on a dit fête de travail, il était le premier à m'envoyer le message. Il a répondu, il dit, mon tonton, bonne fête de travail à toi. Il me dit merci. Vous voyez, moi je vous mets une petite musique comme ça, quelque chose qui ne va pas vous pousser trop à réfléchir. Ça fait comme si on tapait un peu le bébé pour dire qu'il dort. Je vois beaucoup de Camerounais gesticuler sur la toile. Je vous ai dit depuis le début. Soit vous êtes prêtre, soit vous êtes imam. Vous allez devoir choisir un chemin. Le chemin sur lequel vous vous déversez dans tout. Ça veut dire, aujourd'hui on dit qu'il y a tel chose, tout le monde est là. Demain on dit qu'il y a tel chose, tout le monde est là. C'est parce que vous n'avez pas de chemin. Vous n'avez pas de chemin. En fait, vous êtes un peu comme l'autre suppositoire qu'on appelle Cabral Libi, là. Partout où il y a... Donc, on ne connaît pas s'il est de l'opposition, s'il avait le régime. Il vous trouble. Et vous vous comportez exactement de la même façon. Ça veut dire qu'il y a un petit truc. Je vais vous poser une question simple. Un révolutionnaire fait quoi dans une affaire politique? Parce que quelqu'un qui dit, je suis un révolutionnaire, un truc politique se passe, il ne se mêle pas à ça. Voilà dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a commencé à prendre les bras des généraux. Vous savez, je vous ai parlé la dernière fois à l'article 67. L'article 67, c'est là, on joue qu'avec la main gauche. Vous avez vu comment on coupe les mains des généraux de l'armée que Pomba envoie dans le nord-ouest. Donc, récupérez votre arme.
Portez vos corps. Si on tue 30 personnes, porter 30 cadavres pour amener à côté de la route, c'est trop long. On coupe la main de celui qui était le général dans le groupe. On amène, on dit que c'est lui qui tenait cette arme-ci. Voilà des questions sur lesquelles vous allez parler en longueur de journée. Voilà des problèmes sur lesquels vous allez taper sur ça. Combien d'entre vous parlent encore du Nozo? Vous parlez du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en passant. Le Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour vous, c'est le passage. Je vais vous poser une question simple. Vous connaissez combien d'activistes qui sont du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Allez dans leur poste. Vous regardez s'ils parlent trop de vos pépettes que vous parlez tous les jours là. Allez un peu dans leur poste. Vous regardez s'ils sont en train de parler de ce que vous parlez tous les jours. Pour moi, en Afrique, je pense que tous ceux qui parlent français sont traîtres. Tous ceux qui ont appris à parler dès la naissance en parlant français, il est traître de nature. Voilà un problème sur lequel ça nous tient à cœur. Vous êtes encore su. Oui, on a volé. Oui, mais vous êtes né dans le vol. Vous êtes né dans un pays où on vole de lundi à lundi. Alors si on parle un truc pour vous distraire, vous n'allez pas tomber là-dessus comme ça, comme des enfants. Est-ce que vous allez tomber dans un piège comme ça, comme les enfants? Un petit piège? J'ai dit, avant c'était nous contre eux. C'était eux contre nous. Aujourd'hui c'est nous contre nous. Ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de se battre. Ils se mettent seulement derrière, ils applaudissent. Et ils applaudissent étant derrière. Ils n'ont plus besoin de se battre. Pourquoi? C'est vous qui avez donné le fouet sur lequel on va vous fouetter avec. Vous donnez le fouet sur lequel on va vous fouetter avec. Qui parle encore aujourd'hui du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Pourquoi on ne parle plus du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Pourquoi dans nos directs, on ne parle plus du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Pourquoi on ne fait que parler de politique? Tout ce qui est politique, on ne parle que de politique. Pourquoi quand on explique des choses qui peuvent nous libérer, personne n'est d'accord? Vous passez le temps à consulter des pères d'enfants, comme si c'était des docteurs. Alors que ce n'est que des pères d'enfants. Vous ne savez pas écouter, c'est un truc. Faites comme si vous n'avez pas écouté. Vous jouez avec les prédateurs qui sont en face. Les prédateurs qui sont en face, dans leur jeu, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'ils peuvent se distraire même un seul moment? Est-ce qu'ils peuvent parler d'un truc que ça peut les prendre même 2 mois, même 3 mois? Vous voyez un truc qu'on active comme le feu, un peu, vous tombez dedans. Non! Le tout, si vous m'avez gagné. Je pensais que c'est des trucs que ça devait... Je vous ai dit la dernière fois, si quelqu'un est activiste politique, qui reste dans son cadre? Si quelqu'un se dit révolutionnaire, qui reste dans son cadre? Mais si tu es activiste politique, tu es révolutionnaire, tu es tout en même temps, quoi. Tu es tout en même temps. C'est parce que tu n'es rien. C'est parce que vous n'êtes rien que vous êtes tout partout au même moment. Tous les sujets, vous allez parler de ça, tous les sujets. Je vais vous poser une question simple. Ça, c'est des sujets qui vont intéresser quand il y a la distraction sur Internet. Ceux que ça va intéresser, c'est les infiltrés qu'il y a parmi nous. Mais pas vous, pas toi qui te dis révolutionnaire. Quand l'infiltré est en train de parler, tu te calmes, tu laisses l'infiltré parler. Tu l'amènes que dans le chemin où il ne veut pas. Parce que le chemin sur lequel on prend, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Je vous ai parlé ici de la lutte décentralisée. Personne ne veut parler de ça. Personne ne veut organiser comment ça peut fonctionner. Personne. Oui, l'agent a fait que... Oui, tel... Maintenant, ils ne sont plus dans tel... C'est quelle distraction, ça? C'est quelle distraction, ça? Vous pensez... Je vais vous parler quelque chose de vrai. Dans le Nozo, on ne perd pas que nos frères anglophones. Dans le Nozo, on perd aussi nos frères. Même si c'est la milice Boulou. C'est nos propres frères. En parlant, il y a les gens qui parlent là-bas, partent là-bas, ils ne veulent pas partir. Hein. Vous pensez que l'autre Tintin qu'on a coupé sa main, qu'on a tué, on les a tués, coupé sa main là, juste à mettre devant avec les galons là, vous pensez qu'il était fier de partir là-bas? Qui est fier de sortir de chez lui et dire, je m'en vais en guerre? Et vous savez, une guerre, au fur et à mesure que le temps passe, les gars deviennent performants. Ça veut dire qu'avant, ils fabriquaient des petites bombes que parfois ça détonnait, ça ne faisait même rien. Aujourd'hui, les bombes qu'ils mettent là-bas, ça renverse des tonnes de camions. Et vous pensez que le gouvernement en place est prêt de vouloir arrêter ces guerres-là? Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. C'est nous qui allons pousser le gouvernement à arrêter ces guerres-là. Mais si vous êtes dans des guerres inutiles en longueur de journée, comment le gouvernement peut comprendre le message sur lequel on parle?
J'ai élaboré un truc ici pour qu'on puisse organiser le direct dans le but de que je pouvais venir, par exemple, où quelqu'un d'entre nous dit, voilà, il y a tel problème sur la toile. Voilà, il y a telle chose. On envoie le message à tout le monde que s'il vous plaît, personne ne parle de ça. Si les stratégies de mettre un système de direct sur pied, voilà plus ou moins dans le travail ce qu'on voulait faire. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Parce que si on regarde bien, vous tous, il n'y a pas. Je vous ai dit, chacun marche avec sa part de Paul Biya dans la poche, comme je marche avec mon chapelet tous les jours comme ça. Chacun a sa part de Paul Biya. Personne ne veut assumer cela. Même celui qui assume, il assume une semaine, deux semaines, trois semaines, il se perd. Pourquoi vous vous perdez? Parce que vous n'avez pas de ligne tracée. Et si vous suivez quelqu'un qui a une ligne tracée, vous allez tout faire pour le détruire. Vous serez les premiers ici demain à venir dire que le professeur Maurice Kamto a mangé le soya. Je vous avais prévenu ça ici depuis. Vous serez les premiers. Vous les mêmes vont venir ici dire que le professeur Maurice Kamto, oui, il a pris l'argent au gouvernement. Pourquoi il a changé de discours? Parce que vous l'avez étouffé. Parce que chacun ne veut pas cultiver son propre sion. Chaque personne veut être dans son champ. Vous voulez être partout au même moment et à tout moment. Vous voulez être partout. Un révolutionnaire fait quoi dans la politique? Vous parlez de politique en passant. On brosse. On brosse en passant. C'est à cause de vous. Le régime a toujours dit MSC basse. À vous. Aujourd'hui, vous voulez les mélanger entre eux. Non. Vous êtes un peuple à part. Je vois même les pères d'enfants, hein, brancher sa caméra comme ça. Il y a 50, 80, 100 personnes qui le suivent. Il dit oui, mais l'affaire là, vraiment, ce n'était pas. Vous êtes obligé de parler de cela, c'est ça le problème. On a un gros problème dans lequel on découpe déjà les. C'est devenu. En fait, le problème du Nord-Ouest, c'est devenu même trop grave. C'est devenu trop grave de ce que. Et après, même ça, il n'y aura pas moyen de calmer cela. On dit qu'après la guerre, vient le beau temps. Après avoir fait la guerre, il faudra encore se battre pour faire la paix. Est-ce que vous comprenez cela? Après avoir fait la guerre, il faudra encore se battre corps et âme pour pouvoir rétablir encore la paix. Il y a des personnes que depuis près de 4 ans, dans leur zone, ils n'écoutent que les bruits de Kalachnikov. Ils n'écoutent que les bruits des armes lourdes. Même les cris des oiseaux le matin pour se réveiller, ils n'ont plus jamais compris. Et vous pensez qu'après la guerre, cette personne-là va devenir normale comme vous? Non, je me suis trompé en fait. Vous êtes en Europe, vous vous lavez bien. Pas tout ce qui fout le bordel, dans tout ce qu'on tente de travailler, c'est toute la diaspora. La diaspora qui est divisée en 4 groupes. Mais tous les 4 groupes sont réunis en un groupe. Un groupe qui est la diaspora, qui est intellectuelle. Deuxième groupe qui est la diaspora idiot, racaille comme nous. Troisième groupe qui est la diaspora envoyée par Pomba pour contrôler ceux qui ont fui le pays. Et le quatrième groupe qui sont perdus au milieu de nulle part, qui dit qu'ils sont les patriotes. Que chacun aujourd'hui commence à se retrouver. Mais nous alors qu'on a accepté qu'on était la racaille dès le début, pourquoi on n'arrive pas à être orienté et faire le combat dans une orientation? Aujourd'hui le nozo brûle plus que jamais, si vous n'êtes pas au courant. Plus que jamais, hein. Parce que chaque jeune dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui a une arme. Tout ce que la main fait là, c'est le folklore. C'est fini. Ce que la main vous montre là, les petits trucs là, c'est le folklore, c'est fini. Je vais vous dire quelque chose simple. Si on vous dit qu'il y a le coin dans le nord-ouest et le sud-ouest, par exemple comme tout Bafsan, que depuis au moins 2 ans, aucune personne du gouvernement n'a mis le pied là, vous allez accepter. En tenue, en parachute, nulle part à personne. Et vous êtes en longueur de journée, au lieu qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça. Il faudrait que nous, on parle de ça. On doit parler que de ça tous les jours. La politique ne nous intéresse plus. Vous êtes en train de parler de quelque chose qu'on vous dit que rendez-vous en 2025. Et pendant ce temps, on fait quoi? Pendant ce temps, on fait quoi? Même le femme mort finit par se consumer. Si on continue à vouloir pousser que le bois qui est derrière là, ce bois-là va finir par se consommer tous. Vous avez un peuple.
Voilà les Bobby Nissab en prison. Voilà le professeur Alain Foguet en prison. Voilà toutes ces personnes-là que vous voyez en prison là. Il y a les enfants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016 qu'on les a déportés de leur terre. Ils les ont amenés à Yaoundé. Ils sont toujours là. Au lieu de parler des trucs plus importants, comment on va faire pour se libérer? Vous allez attendre que le Tchad, que la photocopie du Tchad nous arrive. Vous voulez que la photocopie du Tchad nous arrive? Vous parlez des ancêtres tous les jours. L'ancêtre touche même le voisin pour dire que crie un peu, ils vont comprendre l'autre côté. On crie même, vous bouchez vos oreilles. On crie, vous bouchez vos oreilles. Et vous parlez tous les jours. 15, 30, 50 directs par semaine. Rien de bon dans ce direct-là. Vous voulez nous expliquer quoi? Qu'on nous ait volé? On a été volé depuis la naissance. Ce n'est pas parce que vous allez venir nous expliquer comment ça fait pour qu'on nous vole qui nous intéresse. On fait comment pour se libérer? C'est ce qui nous intéresse. On fait comment pour que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest s'arrête? Vous parlez avec les narcotrafiquants, vous parlez avec les prédateurs. Ils ne vous écoutent pas. Et tout ce qui les fait plaisir, c'est quand vous vous battez entre vous. Et vous êtes décidé à les faire plaisir. Vous êtes décidé à les faire plaisir. Non, je n'ai jamais... En fait, dans ma réflexion, même ça ne passe pas. Des personnes qui ne savent pas se calmer. On ne parle pas sur tout. Un problème qui s'éclate dans PAM. Chacun veut être le premier à intervenir pour ce problème-là. Chacun d'entre vous veut être le premier qu'on voit sur la toile. C'est lui qui parlait de ça. Vous avez parlé, vous tous, de ça durant toute la semaine-là. Ça a changé quoi? Vous donnez le fouet sur lequel on va nous fouetter. J'ai des personnes qui me taguent dans des vidéos bidons. Pour dire, viens écouter ce que tel a dit ici. Viens écouter ce que... oui, voilà celui pour qui vous vous battez. Je vous ai tout dit ici. Si ce n'était pas la crise anglophone, je ne m'aurais pas enroulé dans vos bêtises. Ça, je vous le rassure. Si ce n'était pas la crise anglophone, je ne vois pas comment j'aurais fait pour me retrouver avec des personnes qui n'écoutent à personne. Je vous ai dit la dernière fois ici que si le professeur Maurice Kamto dit, à partir de la diaspora, organisez-vous comment vous allez même faire pour vous entendre. Personne ne va l'écouter. Vous avez compris? Personne. Il va crier dans le vide. Personne ne va l'écouter. Venez ici, on parle de comment faire pour se libérer. Dites-moi comment faire pour que la crise anglophone s'arrête. Vous vous imaginez, durant 3, 4, 5, 6 mois, chaque direct, que chaque personne s'assoit, il tente de décrier le problème anglophone. Donc à chaque direct que vous touchez, oh, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas toujours compris. Dans chaque direct, chaque semaine, on dit... Le professeur Maurice Kamto a fait ça. On s'en fout. Ceux qui veulent défendre le professeur Maurice Kamto, défendent le professeur Maurice Kamto. Mais 80% des activistes sur Internet, que chacun quand il branche sa caméra, oui, voilà, vous voyez bien que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est un problème que voilà, ça pourrait se passer comme ça. Chacun explique comme il peut. Chaque jour, c'est de ça qu'on parle. Vous fuyez les vrais problèmes. Vous fuyez les vrais problèmes. Vous partez... dans le coin sur lequel on vous avait nourri avec le Congo ça. Parce que tout ce qui se passe là, c'est la distraction. On est en train de nous distraire. Et demain, vous allez accuser des personnes qui se battaient, frère. Je le dis ici. Demain, vous allez accuser le professeur Maurice Kamto. Les mêmes qui insultent les autres aujourd'hui, c'est les mêmes qui vont insulter les autres demain. Hein? Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Je n'ai jamais vu un peuple qui refuse de... pratiquer ce qui est en face de des narines. Ah oui, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Quelqu'un avait dit quelque chose un jour. C'est les mêmes gens qui parlent des mêmes problèmes. Oui. Alors si je comprends bien, tous ceux qui aiment le professeur Maurice Kamto et son équipe et le MS et peu importe, anyway, sont que des francophones. Il n'y a pas d'anglophones qui supportent le MSC. Il n'y a pas d'anglophones qui supportent la basse. Il n'y a pas d'anglophones en diaspora. Non, il n'y a que des francophones. Parce qu'il faudrait se baser dans ce sens-là pour mieux comprendre le problème.
Pourquoi autant de silence? Pourquoi on a autant de silence parmi nous? Pourquoi le nord-ouest et le sud-ouest brûlent et on a autant de silence parmi nous? C'est de ça. Ça, c'est... comme on dit en anglais, that's the question. C'est pourquoi le nord-ouest et le sud-ouest brûlent? Si depuis 4 ans, depuis 5 ans, on dit arrêter la guerre et que personne n'arrête, c'est parce qu'on le dit de passage. Si quelqu'un vous dit bonjour le matin, toute la journée, il vous voit, il ne va pas toujours vous dire bonjour. Il faudrait qu'il change le langage. Et c'est comme ça que vous vous comportez. Vous avez parlé de la crise anglophone, c'était l'entrée en matière. Maintenant, si la crise anglophone brûle, est-ce que ça vous empêche de boire un verre d'eau? Les gens qu'on découpe les mains dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est les enfants de qui? Vous pensez que la haine est d'un seul côté? Vous pensez que les gens qui partent dans le nord-ouest tués là, ça cale seulement là-bas? Et il y a les familles qui viennent du sud, qui sont dans l'armée, ils partent dans le nord-ouest, ils perdent la vie. Leurs familles aussi, idiots et cons, bêtes comme vous, ils gardent aussi dents à ceux du nord-ouest. Vous pensez qu'on parle de la guerre civile, ça commence comment? La guerre civile commence comment? On écrit ça comment? La guerre civile, ça commence... vos histoires que vous appelez tous les jours, oui, Franck Biya serait président. J'ai dit, si Franck Biya est président de ce pays-là, on serait tous des terroristes. Il ne peut pas être président de ce pays-là. Oubliez ça. C'est un débat que vous allez mettre de côté. Ne parlez plus de ça, parce que vous alimentez même ce qui n'existe pas. Franck Biya, président du Cameroun, on va repartir au Cameroun. Le Cameroun serait déchiré. Alors, il faut que ça soit bien clair pour vous. Si dans vos têtes, vous avez mis que non, Franck Biya, il ne va jamais gouverner ce pays-là. Parce que beaucoup d'entre vous pensent que le Cameroun, c'est Yaoundé. Vous avez compris? Beaucoup pensent que le Cameroun, c'est Douala. Le Cameroun est plus profond que ça. J'ai suivi un direct d'une sœur hier, que j'ai partagé même sur ma page. Elle expliquait comment on fait pour les élections. Des trucs pertinents. Des trucs qui éveillent les consciences des autres. Non, vous êtes dans le racontage. Oui, l'argent, on avait déposé. L'argent, on avait... vous avez pris plus de 4 mois, je ne sais même pas combien de temps, pour cotiser 1 million d'euros. Vous êtes 7 millions en diaspora. Non, parlez de vous, en fait, c'est l'AVC direct. C'est un AVC direct. C'est un AVC direct. Comment faire pour orienter le combat? C'est que moi, je réfléchis tous les jours, je ne sais plus comment faire. Je réfléchis tous les jours parce que tout ce qui me vient en tête, c'est que je vais venir proposer. Ils vont zapper. Je vous ai dit que vous êtes les premiers à venir faire pipi sur ma tombe. Vous tous là qui me regardez. Les premiers à dire, oui, ça tombe, fais pipi, c'est vous. Et ça, je le dis... je le dis clairement. Je sais que c'est la réalité. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous vous imaginez aujourd'hui, personne d'entre vous, si le nord-ouest et le sud-ouest, les gars font le combat jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ils arrivent à arrêter quelques souris, ils découpent les mains, ils viennent déposer en route. Oui, là, vous allez partager. Mais vous ne cherchez même pas à dire, on fait comment pour financer nos frais là-bas, puisque dans la zone francophone, vous avez peur. Mais trouvons un moyen de financer le côté là qui puisse se libérer. Non, ça ne vient pas dans vos têtes. C'est des trucs que ça ne vous traverse même pas l'esprit. On fait comment pour financer nos frères du nord-ouest et du sud-ouest? Tout ce que vous savez dans vos bouches, c'est que le Cameroun est indivisible. Qui a dit ça? Qui a dit que le Cameroun est indivisible? Qui vous a dit? Vous voyez comment vous avez... chacun d'entre vous a un petit Paul Biya dans sa poche, non? Vous prenez les mots de Paul Biya. Vous prenez les mots de la milice Boulou. C'est ce que vous dites. Parce que c'est ce qu'ils disent. Et qui dit révolutionnaire va au plus profond de ça. Si quelqu'un dit qu'il est révolutionnaire, il ne peut pas rester juste ce que le gouvernement a dit en place. Vous comptez encore les morts dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que vous comptez encore les morts? Parce que toutes les personnes qui perdent la vie dans le nord-ouest et le sud-ouest,
ont dit à leur famille, chut. Les gens disent souvent que le Cameroun, c'est un pays de paix. C'est un pays d'intimidation. Ne le confondez jamais. Ne confondez jamais la paix et l'intimidation. Vous savez, déjà, les enfants, quand vous arrivez même chez eux, ils parlent, ils font un truc. Tu dis, viens ici, il fait comme ça. Demande juste à sa mère ou son père, mais vous avez l'habitude de frapper sur lui. C'est naturel. Il se protège parce qu'on a l'habitude de taper sur lui. Et c'est ce que vous êtes. Aujourd'hui, on demande qu'on fait comment pour avancer. Personne ne veut parler de cela. Personne ne veut parler parce que je veux que maintenant, on parle que du nord-ouest et du sud-ouest. La politique, on a dit que c'est dans 5 ans. Dans 5 ans, là, ça veut dire dans 4 ans, 2025. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à sortir dans la rue. Les Camerounais ne sont pas prêts à marcher. Je vous avais dit qu'enlevez ça dans vos têtes. Mais comme vous n'avez pas voulu comprendre, je suis un radical. Je parle peut-être ce que ça ne vous convient pas. Mais je suis réaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le blabla. Je dis ce que je sais que ça peut fonctionner. Tu connais, chacun d'entre vous connaît comment le Camerounais se comporte. Quand tu vas le parler, il va dire, ah, laisse-nous ça. Il prend sa bière, il boit, il veut oublier. Il sait que c'est la réalité, mais il ne veut même pas en parler. Vous avez compris? Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que chacun d'entre vous est tombé dans ce même délit. Aka, laisse-nous ça. Aka, laisse-nous ça. Ça vient de qui? Ça vient de Paul Biya. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce que je vois sur la toile, dans ces 2-3 jours-là, je vois qu'on a atteint le fond. Ouais. On a atteint le fond et on n'est pas prêt à... comment on appelle ça? On n'est pas prêt à changer. On n'est pas prêt à changer parce que du plus petit au plus vieux, je dis du plus petit au plus vieux qui allume la caméra ici. Regardez, suivez le direct de celui qui est aux États-Unis. Suivez le direct de celui qui est au Canada. Suivez sur le direct de celui qui est en Allemagne. Celui qui est en France. Faites la comparaison entre les quatre personnes. Regardez s'ils ont dit quelque chose de différent. Les quatre parlent de la même façon. Expliquent les choses de la même façon. Ça veut dire, je vous avais dit ici, que je fais partie de ceux que si demain on dit que pas comme toi, manger le soya. Ça ne change absolument rien à ma position. Mais non, je me suis rendu compte que si demain il mange le soya, vous allez abandonner la lutte. Donc, le professeur Maurice Kamto est appelé à Russie seulement. Il n'y a pas d'échec. Un échec par le professeur Maurice Kamto, la lutte est à terre. Mais je voudrais vous rappeler qu'un échec par le professeur Maurice Kamto, la lutte anglophone continue. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris? Si le professeur Maurice Kamto veut aujourd'hui, il arrête d'être politicien. Il arrête de parler des problèmes du Cameroun. La crise anglophone continue. Vous avez compris? Et de la plus belle des manières. Parce qu'aujourd'hui, les bonbons sifflés, là, on s'est bien fabriqué. Ça fonctionne de bien. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, même quand les anglophones font quelque chose, ont même sur Internet, beaucoup ont même peur de commenter. Ils ont même peur de féliciter leurs propres frères. Je vous ai dit, à chaque fois que vous branchez une caméra comme ça, pour parler comme je parle là, vous êtes en train de réduire votre temps de vie. Oui. Parce qu'après, que le problème du Cameroun va finir, beaucoup d'entre nous vont rentrer au Cameroun. Il y a ceux qui vont rentrer chez eux dormir sans être inquiétés. Il y a ceux qui vont dormir avec les gants de bourse tous les jours, même si la guerre est finie au Cameroun. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, c'est vous qui avez alimenté ça toute la vie. Parce qu'il fallait qu'on se taise. Et vous faites partie de ceux qui veulent nous faire taire. Vous passez des jours et des jours à vouloir interroger un père d'enfant. Faire la consultation comme s'il était un docteur. Alors qu'on a beaucoup d'autres chats à fouetter. Est-ce que si on faisait la lutte décentralisée, ce qui se passe là, on serait au courant de ça? Ça ne va pas nous importer. Ça ne nous importe pas. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous êtes comme un chanteur qui a un manque d'inspiration. Tout ce qu'il peut chanter maintenant, c'est que ton caleçon fait quoi chez moi? Tes fesses, parce qu'il n'a plus d'inspiration, tout est fini.
Mais vous restez accroché sur la scène. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser la lutte? Parce que je vous avais dit depuis, tant que la lutte est décentralisée au pays, tous les petits guéguerres sur Internet vont finir. Tous les comprends ici et dit ici vont finir. Je vous ai dit, si on commence à faire la lutte décentralisée au pays, si ça passe par moi, mais les Calibris, les Mars, les Sandy, tout le monde serait lynché. Même si les Calibris ne connaissent pas ce qui se passe. On va commencer à dire, c'est vous. C'est vous qui avez appelé à brûler. Voilà dans quoi on est entré. Et les gens n'arrivent pas toujours à comprendre. On va dire, c'est le groupe de Calibri qui est en train de brûler. Voilà pourquoi je vous dis souvent, quand on piétine le champ de la reine, il faut que chacun piétine aussi. Parce que quand la reine va venir pour fouetter, elle va fouetter tout le monde. Je suis conscient que si je fais une action au pays, vous tous là, vous serez dedans. Donc vous avez intérêt à que si je tombe dans l'eau là, cherchez à me sauver vite parce que sinon on va se noyer tous ensemble. Ça, je vous le préviens parce que je ne vois pas dans quelle lutte on est en train de faire. Je ne vois pas ce qu'on est en train de faire. Je ne vois pas ce qu'on est en train de faire depuis. Et je ne vois pas ce qu'on attend. On vient d'où? On sort d'où? On attend quoi demain? C'est ça la question. Parce que depuis on lutte là, le gouvernement en place gagne du temps. Nous, on gagne quoi? Je voudrais que vous écriviez en commentaire ce qu'on gagne pendant ce temps qu'on attend le gouvernement en place. On gagne quoi? Nous, on gagne quoi? Tout fonctionne pour le mieux pour le gouvernement. Je vous avais dit ici que si un jour vous attendez que la lutte anglophone va finir parce que l'armée n'aurait pas l'argent, je vous ai dit que la France, les biens que la France nous donne n'existent pas. C'est des bouts de papier. L'armée aurait toujours son salaire. Vous avez compris? Tant que le gouvernement en place deal encore toujours avec le Quai d'Orsay à Paris, l'armée a toujours son salaire. La preuve en est aujourd'hui, le président de la République, c'est devenu l'ambassadeur de la France au Cameroun. Donc, il peut payer l'armée sans problème. Donc, pour l'autre, là, il faut que vous enlevez ça dans vos têtes. Il n'y aura jamais qu'un soldat camerounais va dire, je quitte l'armée parce que mon salaire n'est pas passé. Ça ne va jamais exister. Ouais. Mais je me demande, vous dites souvent que vous êtes des panafricains, vous ne regardez même pas ailleurs. Laurent Gbagbo est tombé parce qu'on a refusé de payer l'armée. Toutes les banques de la Côte d'Ivoire étaient fermées, il n'y avait pas moyen de payer l'armée. Et l'armée était obligée de devenir rebelle pour toucher un salaire. Vous avez compris? Et au Cameroun, ça ne peut pas arriver au Cameroun. Parce que l'imbécile qui est là depuis les années n'a jamais été président du Cameroun. Vous avez compris? Simple comme bonjour. Ils ont chassé quelqu'un qui pouvait faire un peu quelque chose pour les Camerounais, malgré qu'ils tuaient nos ancêtres, pour prendre un homosexuel pour mettre là. Après, le dit, comme tu ne sais pas diriger, calme-toi, ne parle plus, va même vivre en Europe. Et il est parti vivre en Europe toutes ces années-là. 40 ans de pouvoir sans jamais être là. C'est quoi de plus que vous voulez comprendre? Aujourd'hui, on dit qu'on va lutter. On lutte quoi? Mais on n'est pas en train de lutter. On n'est pas en train de lutter. Je n'ai jamais compris. En fait, même je ne comprends même pas. Vous luttez quoi? À leur instance, on lutte quoi? On attend quoi? Notre espérance, c'est quoi? Bavarder comme ça jusqu'en 2025? Mais si on bavarde comme ça sans rien faire, c'est ce que le régime aime. Et la France aime ceux qui parlent sans rien faire. Vous avez compris? La France aime ceux qui parlent sans rien faire. Vous êtes dans le blabla sans rien faire. On ne pourrait jamais rien changer chez nous. Il faut que ça sorte dans vos têtes. Si vous voulez que le professeur Maurice Kamto, le président élu, arrive à étudier un jour, étant libre, sans les chaînes, on doit d'abord tout brûler. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si on ne brûle pas et qu'il arrive à étudier, il va suivre les mêmes ordres. Vous allez même dire demain que même Pomba a été mieux. Je vous le dis. Croyez-moi sur parole. Hein. Si on ne brûle pas avant que lui aussi fuit les flammes de l'enfer, avant d'arriver là-bas, alors il ne va rien changer là-bas. Parce que le même système fonctionne comme ça. Dans les 14 pays qui étudient le français, quoi. On va nous ligoter, on va nous attacher, et on ne serait rien.
À part de crier tous les jours. Il faut qu'on parle du nord-ouest et du sud-ouest. C'est ce qui nous intéresse maintenant. C'est le nord-ouest et le sud-ouest. On doit parler que de cela. Si vous n'êtes pas capable qu'on attaque la guerre ou la lutte ailleurs, on doit maintenant financer le nord-ouest et le sud-ouest. On doit financer le nord-ouest et le sud-ouest. Il voudrait que demain, les combattants anglophones disent que oui, les francophones avaient participé aussi, même un jour. Même si c'était 0,2%. Vous participez à quoi? Même faire le tapage sur eux, vous ne le faites pas. Même critiquer le gouvernement pour ça, vous parlez comme ça en passant. Vous parlez un peu comme ça en passant. Oui, le MLC, oui, le président élu. Oui. Quelqu'un m'a dit ici la dernière fois que pourquoi je n'arrive pas à dire président élu. Pourquoi je n'arrive pas à trop parler du professeur Maurice Kamto dans mes directs. Il a demandé que quand je parle de lui là, ça change quoi? Si je parle de lui à chaque fois que je vais parler de lui, ça change quoi? Ça veut dire que tu veux me pousser dans la distraction. Quelqu'un dit qu'il a gagné les élections. Ils sont dans la rue. Les pères d'enfants disent, tu as gardé tes enfants pour que nos enfants viennent marcher. Ça, c'est le régime qui le dit. Pour gagner le régime, il dit, ok, mais je sors dehors. Laissons nos enfants à la maison. Allons nous battre pour l'avenir de nos enfants. Papa mendiant, personne n'a été dehors. Et vous ne comprenez pas toujours ça. Vous ne comprenez pas. Il dit, je vais lever les fonds. Il faut 1 million d'euros. Je pensais qu'en un seul jour, on pouvait cotiser 1 million d'euros. Vous êtes incapable de cotiser 1 million d'euros. Et je vois des personnes qui disent, il est très mou. Vous êtes des sorciers. Naturellement, vous êtes des sorciers. Chacun a sa part de petit sorcellerie dans sa poche, comme son petit billet dans sa poche. Qu'est-ce qui ne vous fait pas croire que ce monsieur demandait les 1 million d'euros pour voir si vous êtes capable de cotiser rapidement? Et là, il peut faire autre chose. Non. Il a demandé les 1 million d'euros. Vous avez pris 3 mois, 4 mois, 5 mois pour cotiser. Vos soeurs étaient obligées de danser nues devant les caméras pour que vous puissiez cotiser ces 1 million d'euros-là. À partir de là, il a compris. Je vous ai dit, les vieux ne disent pas tout avec la bouche. Il dit le contraire de la chose et vous analysez par vous-même. Je ne pense pas que vous êtes 7 millions en diaspora et que tous les 7 millions sont nés dans la rigole, comme on dit au village. C'est Ouattalut. Vous avez un peu de pensée. Vous réfléchissez par vous-même. Mais non. Mais non. Personne n'a pu. J'avais dit quelque chose ici à quelqu'un. Voici ma part d'argent qu'on avait mis dans où ce, vous appelez quoi là? Vous avez appelé le nom là quoi là? J'ai pensé que chacun d'entre vous devait mettre 1 euro. Parce que si moi je cotise 472 euros, ça veut dire que chacun d'entre vous mettait 1 euro, l'affaire était close. Mais vous n'êtes pas capable de le faire. La haine nous saute au visage. Vous êtes tellement devenu haineux que vous détestez même vos propres enfants. On dit qu'on lutte pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, je suis dans un pays. Je vis en paix. On dit que l'avenir nous le dira. Je ne sais pas ce qui est réservé à mes enfants demain. Et pour ça, il n'y a que la lutte pour me libérer. Je dois lutter. Lutter et lutter encore. Pour avoir espoir que demain, peut-être mes enfants peuvent être bien chez eux. Chacun est bien chez soi. Hein? On accouche les enfants partout. Ils ont les passeports européens, ils ont les passeports. Mais il est noir, il n'est pas blanc. Trop noir dans un continent trop blanc. Trop noir dans un monde commandé par les blancs. On veut rentrer chez nous. Même si après, ils viendront nous injecter là-bas. Mais chacun voudrait être bien chez soi. Hein? Est-ce que ça veut dire que je suis tribal ou homophobe, ou peu importe, anyway, c'est que vous allez me coller sur la peau. Chacun est libre, est bien chez soi. Quand vous descendez au Cameroun, pour aller dans votre village, même au bas fond du fin fond du Cameroun là, c'est loin pour vous. Ce n'est pas loin parce que vous voulez être à la maison. Hein? On doit lutter avec l'estomac ouvert. On dit, allons faire comme ça, personne ne veut. Montons par là, on dit non, ce n'est pas bon. Peuple camerounais, il ne faudrait pas que demain, on dit qu'on n'avait pas essayé. L'histoire est têtue.
L'histoire est têtue. Alors quand je vois comment on a fait 4 ans de lutte, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les gens sont restés muets. Aujourd'hui, 3 ans, avec le MSC, la base qui court de gauche à droite, qui se divise, qui se méfie de ceux qui sont là pour les trahir. Je vois qu'on n'a pas toujours compris. La question que je voulais poser ici à beaucoup d'entre vous, c'est qu'après 3 ans de lutte, qu'est-ce que vous avez retenu de la lutte? Après 3 ans de lutte, qu'est-ce que vous avez retenu? Si je vous dis ici que la lutte commence demain, qu'est-ce que vous pourrez faire demain? Si on dit que la lutte là, ce qui se passait depuis là, c'était une erreur. En fait, c'était l'échauffement. Ça commence demain. Je voudrais que vous me dites en commentaire, qu'est-ce que vous allez faire? Je voudrais que chacun dise que non. Comme ça commence demain là, je vais faire plutôt telle chose. Puisque le début, vous êtes conscient qu'on a échoué. On a échoué. On a pris le virage avec beaucoup de rapidité. Avec une vitesse élevée. Non, ça recommence demain. Qu'est-ce que vous allez faire? Le temps n'est pas au regret. Le temps n'est pas au regret. Si je veux regretter maintenant, ça serait trop tard. Si je veux regretter, ça serait trop tard. Le temps n'est pas au regret. Dans cette lutte-ci, on a perdu beaucoup de personnes. On a perdu des personnes qui nous sont chères. On a perdu les personnes qui avaient besoin de nous à ce moment-là. Mais on était en train de courir derrière Pomba. On chassait partout. On avait espoir que beaucoup avaient compris. 3 ans après, je comprends qu'ils n'ont pas toujours compris. Et on n'est même pas encore au point de départ. Trois ans de crise anglophone. 4 ans de crise anglophone. 5 ans de crise anglophone. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Une diaspora consciente. Je vous ai dit, ceux qui se perdent entre Boko Haram et le Nord-Ouest, vous vous êtes perdus. Boko Haram n'existe pas. Boko Haram n'existe pas. La France a besoin de s'installer dans le nord du Cameroun et le Tchad par là. Il a besoin d'avoir des personnes comme si c'était des rebelles. De temps en temps pour faire confrontation, pour que le gouvernement leur dise, allez, restez là-bas. On ne parle pas de ça, ça c'est pour eux, parce qu'on a compris le jeu. Tous les jours que Dieu a créés, est-ce qu'on peut parler que de la crise anglophone? C'est ce que je suis venu vous demander ce dimanche. Vous savez, quand vous vous comportez, par exemple, comme moi, parce que si vous dites ce que je suis capable de faire, vous ne pouvez même pas croire. Vous allez me regarder sur la caméra. Ce que j'ai tellement vu. J'ai tellement appris que j'ai compris que à chacun son tour. Donc j'ai des choses que je peux faire que vous n'allez même pas imaginer que non, il ne peut pas être capable de faire ça. Je peux le faire. Mais je veux qu'on parle juste de la crise anglophone. Je reçois des vidéos que ça me déchire totalement. Quand vous voyez des vidéos de votre adversaire, vous êtes peut-être content parce qu'on capture l'adversaire. Mais ce qui s'ensuit, ça ne vous rend plus content. Mais c'est vice-versa. L'armée aussi le fait. L'armée aussi capture le camp d'en face et les affiche exactement le même traitement. Les tue comme des biches.
Les gars dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont atteint un autre niveau que vous ne pouvez plus arriver. C'est, je dis, c'est parti jusqu'à l'infini. Ils ont atteint un autre niveau que je ne vois pas l'armée camerounaise. Parce que l'armée camerounaise n'existe pas. Ça n'existe que la milice. Vous voyez comment on arrête au moins 27 personnes, on met à terre. On les pose des questions. Tu vois comment le gars même. Tu vois un enfant, comment il tremble. Comment il tremble, il regarde la mort en face. Il sait qu'on va le tuer. On lui dit, tu es venu ici faire quoi? Celui qui est courageux dit qu'il est venu. On l'a dit qu'il vient de, on l'a dit qu'il vient défendre l'intégrité du territoire. On l'a dit. Donc lui-même, il ne croit pas. Vous savez, il y a quelque chose dans la vie, ce qu'on vous dit et ce que vous croyez. Il est venu défendre l'intégrité du territoire. Ça veut dire que lui-même, il ne croit pas à ce qu'il venait faire. Ça, c'est un innocent en guerre qui perd la vie comme ça gratuitement. Vous voyez nos jeunes, nos enfants, nos petits frères. Tous ceux qui ont tué l'autre jour n'ont même pas, de ce que j'ai reçu la vidéo, n'ont même pas 30 ans. Il n'y a personne parmi eux là qui a 30 ans. Personne. Que ce soit le chef, il n'y a personne qui a 30 ans. On les arrête comme des petites souris comme ça. On les arrête comme des petites souris comme ça. Comment est-on arrivé là? Mais les activistes de la diaspora, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose si vous avez la conviction. Vous pouvez faire quelque chose. Si vous commencez à partir d'aujourd'hui à faire le tapage que d'un côté, à faire le tapage que de ça, à parler que de ça, vos posts et réfléchissez que sur ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'orgueil. Qui dit parfois pourquoi je dois parler de ça. Je sais. Si l'humanité a fui dans le camp d'en face.